La PlayStation. Ah! Je crois que j'ai. Attendez, je sais plus. Je m'étais posé la question si je pouvais pas faire en 16/9e la PlayStation ou pas. Attendez, on va faire des tests en direct. Est-ce que j'ai la capture? Ah bah non, j'ai pas le. Non. Non, mais j'ai fait plus large en fait le 4 tiers. Parce que souvenez-vous, mon premier épisode, c'était pas cool dans le sens. Alors attendez, je crois que je peux remettre mon réencodage parce que comme c'est la console. Ah bah non, ça encode. Là-bas. J'avais des bandes verticales noires à gauche et à droite. Et je vous avais trop compacté mon premier épisode, c'est pas bien. J'aurais pas dû faire ça. Donc là, si je fais pas un truc caca burk, attendez. Merdoum, j'aurais pas dû faire ça. Je me suis planté. Excusez-moi. Ah oui. Faut que je fasse de cette manière-là. Et encore, oui, si ça va, il y a une tolérance. Et sinon, je vois pas mon chat, alors je suis triste. Merci pour la promenade, travaux, les jetées de marrons, ouais. Non, mais vraiment, les travaux historiques. Et tiens, le temps que ça charge, pour parler des chevaux, je voulais compléter mon propos sur les chevaux. Attends, c'est quel bon Resident Evil? Il est où le bon? Parce que comme j'ai toute la collection des Resident Evil sur la PS3. Jusqu'au sixième opus. Oui, c'est celui-là. Je m'y perds. J'ai une PS3 presque spéciale Resident Evil jusqu'au 6. Je finirai par tous vous les faire, ce sera bien. Oui, les chevaux. Il y a une spécialiste des chevaux qui a publié un bouquin il n'y a pas 15 jours. Et en fait, il y a eu plein de découvertes. Les chevaux sont sensibles, mais à un point qu'ils ont, si vous voulez, un intervalle de sensibilité qui est plus large que la nôtre humain. Je ne sais pas comment ils évaluent ça. Mais ils ont vraiment une gamme d'émotions qu'on ne connaît pas, nous, humains. Donc c'est très très sensible, les chevaux. Ils communiquent vraiment beaucoup avec les oreilles. Il y a un code, il y a une signification avec les têtes des chevaux quand ils font, voilà, je sais pas, leur posture, leur mimique, si on peut parler de mimique. Ils arrivent à voir dans nos écrans de télévision. Il y a des chevaux qui ont regardé des programmes. Oui, ils ont des attributs proportionnés à leur gabarit. On peut dire ça, c'est une scène, effectivement. Mais non, je crois que le pire, d'ailleurs, dans la nature, c'est les cachalots. Les cachalots, c'est. Waouh! C'est. Bref. Mais c'est proportionné, hein, c'est la nature. Ils se voient dans les miroirs, dans les écrans d'ordinateur, de télé. Ils se reconnaissent et ils arrivent à identifier un humain avec des attributs différents, c'est-à-dire une paire de lunettes, changer de vêtements ou ne pas se raser. Il paraît que les chevaux arrivent à faire le distinguo et comme quoi ils sont vraiment intelligents. Et ils disent, ah oui, c'est le même humain. Tac, 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 tac. Tu rigoles, mais ils font des directs Twitch, les chevaux. On n'en est pas loin. Non, non, vraiment. Ouais, les oreilles en arrière, c'est qu'ils sont pas contents. Par exemple, voilà, tu vois, tu m'en prends un peu, Christella. Mais non, le bouquin qui est sorti, je ne peux plus vous donner le titre, je suis désolé, ça m'est passé sous le nez dans la presse. Mais waouh, vraiment les chevaux, on a encore beaucoup de trucs à découvrir de la chaîne Horse Gaming, ouais. Non, non, vraiment, c'est. Je comprends pourquoi ça a toujours intrigué l'homme, les chevaux. C'est vraiment un animal. Mais vous verrez la suite de la promenade. Le coup, j'ai eu les chocottes avec les chevaux. J'y reviendrai encore, mais sous une autre forme. Voilà. J'ai encore des choses à vous dire. Merci à vous d'avoir regardé. Allez, je vais me faire dessus. Sauvegarde réussie. Attends, j'ai pas sauvegardé là. Merde, qu'est-ce que j'ai fait? Je clique en main ego. Non, j'ai chargé le jeu, c'est tout. On va bien rigoler maintenant. Ouais, fais ton malin, Nash, fais ton malin. Tiens, d'ailleurs, tu mériterais que je te fasse ta pub pour ce soir. Bab. Comment on va te retrouver à 20h sur du Zelda. Alors, Christelle a dit, ma maman a élevé des chevaux dans les années 70. Elle faisait des promenades au bord de la plage. Oh là là, la classe.
Waouh, je suis sûr que t'as plein d'anecdotes à raconter du coup, enfin du moins surtout ta maman. Intéressant, merci du témoignage. Je reste pas, j'aime pas cette série de jeux. Oui, non, mais y a pas de souci, je comprends, une scène. Bonne fin de dimanche à toi. Bah le tableau mystère, si tu veux y jouer, reviens à 20h. À 20h, quand j'ai mon carillon de ding ding dong, tu vois, j'ai déclaré 20h05. Ah bah merde, j'ai encore les bandes noires sur les côtés. Fais l'œuf et la poule. 20h, n'hésite pas pour jouer au tableau mystère. Oui, t'as jamais tes réponses, mais si tu veux voir, c'était juste en direct. Sinon, tu regarderas la rediff. Voilà, y a pas de drama. Mais oui, je te comprends. Je te comprends. Tu es une scène. À plus. Je sais plus où j'en étais avec Jill Valentine. Je stresse déjà. De vieilles boîtes et des escabeaux ont été laissés à l'abandon. Oui, incarné par Julia Volt. Ouais. Ouais, merci, tu l'avais expliqué. Tu fais bien de le redire d'ailleurs. Pour ceux qui n'étaient pas là. Alors, la double empaque en bois, ouais, elle m'intrigue. Alors, j'ai un ruban encreur que je vais pouvoir déposer parce que je suis pas prêt de sauvegarder. Briquet. Ah oui, briquet là. Oui, je vais pouvoir flamber les zombies. C'est vrai qu'il faut flamber les zombies, ça déconne zéro. Il y a le fusil. Il y a du joyau bleu. Je sais plus à quoi il sert. Couteau de survie, herbe verte. Est-ce que. Attends, puis j'ai une clé, c'est une clé de quoi? Ah, la clé à épée, d'accord. La santé de Jill Valentine est moyen. Faut que je fasse gaffe. Je vais peut-être me prendre une petite herbe. Ou... Oh, il y en a partout des petites herbes. Bon, voilà. Inspire et expire, si tu veux, je t'envoie mon slam. Oui, bien sûr, Nash. Ah, ça veut dire que j'ai déjà ramassé les plantes. Je me souviens qu'il y avait des plantes. Faut peut-être que j'évite de courir. Peut-être pas courir dans un endroit hostile. Ah, en haut, est-ce que j'avais. Mais le... Ah, vous avez plus les bandes blanches sur les côtés. C'est bien, vous voyez une image plus large. Ah, j'ai bien fait de passer du 4 tiers au 16 neuvième. Ça m'avait choqué quand je m'étais vu dans la rediff. Et pourquoi elle est main nue? Attends, attendez, attendez, attendez. Elle a pas d'arme en main, mais elle est folle. Elle y allait à main nue. Si au moins elle faisait des arts martiaux et qu'elle arrive à défigurer des têtes, je dis pas, mais. Waouh, ma boule. Compliqué d'avoir du public si tu fais pas de Resident Evil. Oui, chaque jeu, voilà, enfin bref. Ah, par contre, j'ai rangé ma montre. Donc, pour les pulsations cardiaques, c'est loupé. C'est vrai que j'aurais pu penser à la ressortir, à la mettre si j'ai un. J'avais fait du 110, hein. La première séance, j'avais 110 de pulsations cardiaques. Donc, je commençais déjà à me faire dessus. Alors, et puis, il faut faire des efforts de mémorisation. Ah oui, l'histoire du sifflet pour chien. Attends, attends. Un mémo chiffonné. Aujourd'hui, Sir Spencer m'a demandé de bien cacher quelque chose. Je crois avoir trouvé la solution. Si cette chose était gardée par une bête aussi agressive que l'espèce de chien qui erre par ici, personne ne pourrait s'en approcher. Pour autant que je sache, ce corneau de diable traîne toujours du côté du balcon du premier étage. Balcon du premier étage. Balcon du premier étage, je crois savoir où c'est. À l'ouest de la terrasse. Et il devrait appliquer au son du sifflet pour chien. C'est là que vous entrez en scène. En effet, je ne vois pas qui d'autre pourrait approcher ce maudit Cerbère sans risque d'y laisser sa peau. Cela signifie que vous êtes la seule personne capable de lui mettre ce collier. Il contient l'objet que Sir Spencer veut dissimuler. Je ne peux confier cette mission qu'à vous, bien sûr, vous recevrez une récompense. Vous vous souvenez de cet objet sur lequel vous essayez de mettre la main depuis longtemps? En échange de vos services, je pourrais m'arranger pour vous procurer. Nous avons tous les deux à y gagner. Signé un certain John Toleman. Bonjour le coyote. Bonsoir. Ah là là. Hop, hop. Oui, tu préfères le 4 tiers écrasé. Bon, chacun ses goûts. Mais là, je préfère profiter, tu sais, pleinement de la surface graphique.
Là, on voit. Je suis content. Là, il faut que je garde cette configuration. Pour moi, c'est correct ce que je vous envoie sur Twitch. Bah, ça va bien, le coyote. Merci, j'espère que toi aussi. Vieux gramophone, le disque a tué Jupiter. Non, mais je crois qu'il y a des trucs ici. Et que j'étais parti en prenant pas tout parce que j'avais pas de place dans l'inventaire. C'est apprécié. Les munitions, c'est apprécié. Ah, c'est un ventilo à l'angle. Oh la vache. Le bureau, j'avais pas tout pris. Oh! Botanique, de l'usage des plantes médicinales. Comme vous le savez sûrement, il existe de nombreuses plantes aux vertus médicinales. Depuis la nuit des temps, l'humanité soigne ses blessures et ses maladies à l'aide de diverses plantes. Dans cet ouvrage, nous nous intéressons à trois types d'herbes qui poussent dans les montagnes Harclay et nous décrirons sommairement leurs propriétés médicinales. Chaque herbe a une couleur différente et une vertu thérapeutique particulière. La verte permet de récupérer des forces, la bleue neutralise les toxines naturelles, utilisée seule, la rouge n'a aucun effet. Oui, c'est la logique classique. Nous avons cependant découvert qu'en associant de l'herbe rouge à la verte, l'herbe verte est multipliée. Enfin, son effet. Nous vous communiquerons les résultats des associations de l'herbe rouge et des autres herbes dès que nous disposerons davantage de renseignements. En attendant, n'hésitez pas à essayer divers mélanges par vous-même, car la vraie connaissance est le fruit de l'expérience. Oui, je sais que la mélange des trois différentes, la santé verte, l'amplificateur rouge et l'antipoison bleu, ça donne un gros tas d'herbes broyées grises, comme des cendres. Et c'est, ça vous requinque complètement dans un empoisonnement. Un journal ouvert, les pages sont vierges. Il y a beaucoup de trucs qui sont vierges dans les ouvrages, dans les antivols ici, là c'est bizarre. Il faut. Ah! Attendez. Ah merde, c'était dans la boîte. La planche à bois qui s'ouvre. Est-ce que c'est pas une presse de Gutenberg? Il faut faire une pression avec de l'encre pour imprimer un truc dessus. Il y a peut-être un truc dans le jar là. Message de Funfan 1992. Quoi? Les pages sont vierges et collées l'huile. Oui, bah oui, c'est. Oui, bon, c'est un style. Est-ce que je suis allé en face? Oh, j'adore la déco. Oh là 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 là. Ils ont. C'est quoi ça? Ma mémoire s'est effacée. Hein. Ça fait une semaine que j'ai pas joué, mais j'ai pas pu m'en empêcher. Ça va, c'était pas scabreux. C'était pas. Enfin, c'était pas. C'est. T'inquiète pas. Sans offense, fan, c'était parfaitement correct. T'en fais pas. Voilà. J'aurais été à ta place, j'aurais pu être dégueulasse. On va pas se mentir. Il n'y a pas de musique dans le jeu, dit The Grand Sky. Attends, 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 Dragon Sky, attends. J'ai fait une bêtise, moi? J'ai un chouïa diminué la musique. Vous voulez peut-être que je la remette. Après, si ça vous plaît pas, vous me direz. Voilà, il sauvegarde mes options. Pas que les. Merci le coyote. Je ne te dirai plus de vive voix. Musique d'ambiance. Oui, ça dépend des salles de sauvegarde ou pas. Alors là, déjà, oui, effectivement, j'ai dû. Alors, il faut que je mémorise les endroits où il y a des trucs à ramasser, à mettre dans la malle. Ça, si il faut faire des allers-retours sécurisés quand je m'apprête à sauvegarder. Et que. Voilà, parce que sinon, si je meurs. Là, c'est tout bénef. Il faut que j'allume la cheminée puisque j'ai le briquet. Et là, on a le plan. Les lignes du relief rougeoient sous l'intense chaleur. Ah! Il faut faire son plan soi-même. Le truc de papier vierge à ouvrir, il faut le plaquer contre ça. Et après, on a l'imprimé du manoir. Laisse-moi deviner. Oh, je veux essayer. Je veux essayer parce que on peut. Bah tiens, quand je dis que je vais ranger dans le. Allez hop. J'ai en profité pour prendre les. Hop.
Hop, elle est blessée. Allez, je vais consommer une herbe. Mais après, il faut que je me calme hein, sur les herbes. Parce que si je me soigne trop dès le début, à la fin, je vais être en galère. J'aurai plus quoi de me soigner. Je vais crever. Ça va être injouable. Là, je peux déjà faire un. Oh, je le garde tel quel. Je suis. Non, je vais pas gâcher. Je vais faire que les mélanges si nécessaire. Soyons prudents. Bonsoir, Wakanda Forever Seb. J'espère que tu vas bien. Merci à toi d'être là. Ça fait royaliste le papier peint, je trouve. Oui, c'est en bas de l'escalier. On ne court pas dans les escaliers, Mzel. Putain, ils sont fous, ils ont ouvert toutes les fenêtres partout, c'est des maboules. Alors, ça va bien, c'est cool. Ah, Edge, bonsoir. Bonsoir, Edge, j'espère que tu vas bien aussi. Une feuille rouge, ça te sert à rien, il vaut mieux la combiner. Exactement, oui, c'est ça. La rouge, en fait, n'est qu'un amplificateur. Donc, un amplificateur seul, ça fait rien. Ça fait rien. Pa 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 la pa pa. Je vais essayer de bien ranger mes trucs. J'ai dit, je vais essayer. Attendez, on va déjà faire du tri. Ah, je suis obligé de remettre. Oh là 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 là. Alors, j'ai pas intérêt à crever parce que tout ce que je fais. Ça va être chiant. Faut que je me coltine le cerbère de mes deux là. Il n'y avait pas une lanterne, sa lumière chaude vous détend, ouais, de la lanterne. Il n'y avait pas un truc dessus, non. Alors attendez, je vais reprendre la plaque de je parlais tout à l'heure là. La plaque de bois avec les feuilles vierges. Voilà, double plaque de bois. Je veux vérifier ma théorie. Parce que si j'observe l'objet, examiner. Là, il me dit qu'il n'y a rien de spécial. Voilà. Par contre, si je regarde la tranche, ça s'ouvre. Et c'était vierge. Ça, je l'avais vu avant de mourir. Une fois précédente. Il n'y a rien d'écrit dessus. Et quelque chose me dit que ça se plaque contre la cheminée pour avoir une décalcomanie, un imprimé de la. Façon presse Gutenberg. Oui, il reste la moitié du kérosène. Oui, c'est pas ça que je voulais. Ma gourde est déjà pleine, ouais. Ouais, ça va bien. Je reviens d'un super week-end. Ah, je suis ravi pour toi, AJ. Bah, Loca, si c'est pas indiscret en vocal, faudrait que tu nous offres du rêve. Bon, là, j'ai pas de vocale ouverte aujourd'hui. Hein. Je suis désolé sur mon antenne, mais. Ou alors peut-être que tu le feras chez Basto sous ta propre antenne, mon cher Edge. Eh oui, tu as ta propre antenne. Alors, on va vérifier ma théorie. On va vérifier ma théorie. Bouge pas que je te fasse ta pub, Edge. Passionné de musique, catch, jeu vidéo, c'est bien, tu t'es mis à jour. C'est bien que tu annonces tes passions. Tu vas t'attirer du. Mon but est de vous partager mes passions et d'agrandir ma culture, me culturer. Très bien, Edge. Très très bien. T'es un chef. Alors, utiliser. C'était ça. Je l'ai deviné tout de suite. C'était trop logique. Et là, le manoir prend feu. Une carte manoir 2F. La prendre, bah oui. Ah. C'est beau. C'est beau, c'est beau, c'est beau. Oh là là, c'est vrai qu'il y en a des pièces dans ce manoir. Mais je vous préviens, mon château dans Minecraft, dans le futur, ce sera 4 fois ça par étage.
J'en serais capable. Hein. Enfin, on verra ça le moment venu, mais... La folie des grandeurs, ouais. Ah, je rigole, méchant que je vais me faire dessus. Waouh! Oh, l'ambiance de fou! Oh, l'éclair qui fait flipper. C'est la malédiction. C'est verrouillé, l'emblème du cache qui est gravé sur la serrure. Le tableau d'un manoir inachevé. Il ressemble à s'y méprendre à celui dans lequel vous vous trouvez. Pas l'honneur. C'est un scandale. C'est un scandale. Je sens que je vais moins rire dans un quart d'heure. Ta 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 ta. D'ailleurs, comment je fais pour tirer, je sais plus. Oui, c'est comme ça. Ouais, cachette. Parce que je serais capable, dans la panique, de perdre des bons réflexes et de me faire bouffer sans tétaniser, sans réagir. Donc là, j'ai quoi dans l'inventaire? Ouais, il faut que je fasse cette terrasse avec le chien. Avec le maudit chien. Mmh. Bon, le zombie a l'air bien inerte, donc je vais pas le flamber, lui, si c'est pas déjà fait. Mmh. Merde. Alors, les chocottes, c'est pour maintenant. C'est verrouillé, armure, clé armure, ouais. Je sais plus, ma mémoire s'est effacée, c'est horrible. Y a pas des trucs sur les meubles. Donnez-moi des munitions. Il n'y a que des bibelots sans importance. Non, il n'y a rien d'intéressant ici. Non. Là, il y a une porte verrouillée. Verrouillée, armure. Oh là 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 là. Là, y a rien. Ouais, on dirait une espèce de fleur séchée, je sais pas. Je suis tristesse. Alors, attention. Je me mets sur mes gardes parce que là, je sais plus ce qu'il y a derrière. Ah, c'est le grand escalier. Pour faire court, je suis allé voir un show de catch avec Morgan Grace. Oh, je suis ravi pour toi, AJ. Waouh. Ah, je devine, tu vas nous faire un débrief de passionné de tout ce que tu as vécu. Ah, je suis ravi pour toi, AJ. C'est très bien. C'est très très bien, merci à toi de nous partager la bonne nouvelle. C'est beau. Oh là là. C'est bien. Voilà, même Christella, elle approuve. C'est beau. Le gars qui a la même philosophie que tu ne sènes. Alors là, je t'ai pas suivi. Ah merde, c'est un poignard, le truc qui brille. J'en veux pas. Je sais même pas m'en servir, d'ailleurs, des poignards. Alors, attendez. Je suis déjà bien content de pas avoir croisé de zombies, hein, pour le moment. Mais ça va pas durer. Hein. C'était une porte verrouillée, ça. Depuis l'autre côté. J'ai récupéré... Putain, les jeux d'ombre. J'ai récupéré le... J'allais dire le zombie. J'ai récupéré le fusil. Merde, je vais descendre au niveau des corbeaux, là. Qu'est-ce que je fais? Il n'y a pas un truc sur ce meuble? Non? Non. Ah, puis il y a le coup des masques... Des quatre masques de la mort, là, ils sentent le mal, ils voient le mal. Cette tête. Oh la vache. Ça fait peur. Allez, on y va. Merde, j'ai tiré une balle dans le vide. Alors, vite, il va falloir que je le flambe, lui. Parce qu'il va me causer problème.
Je recule pour pas me brûler. Voilà. Terminé le zombie. Ça, c'est pour recharger. Voilà, zombie cuit. Plus jamais il vit. Je me suis pas trompé. J'ai pris le temps de le zigouiller. Ah oui, c'est le zombie du couloir. Bah, j'ai bien fait. Comme c'est un grand couloir, j'ai bien fait de le cuire, lui. Le gros vilain. Verrouiller casque. D'accord. Je sais plus. Ou lui, je l'ai pas flambé, mais il est pas décapité, lui. Il s'est pas pris un coup de fusil en pleine tête et le crâne a giclé. Donc théoriquement, j'aurais... Vous avez utilisé le crochet de serrurier. Ok, je suis pas allé dans cette salle. Normalement, il est mort, le zombie. Hein. S'il a plus de cerveau... Voilà. Ah, bah c'est ça, le sifflet à chien. Oh, faut pas que je me loupe. Là, j'ai des plantes. Des herbes vertes poussent ici, mais il n'y en a pas beaucoup. Les utiliser, non. Alors, on va tenter le sifflet de la mort, que j'ai pas analysé d'ailleurs. Examiner le... L'ambiance était excellente, c'était ton premier show de catch. Ah, bien. Oui, bah c'est un simple fusil de... Fusil. Sifflet de chien, pardon. Ce sifflet émet un son dont la fréquence n'est audible que par les chiens. Vous pouvez donc appeler un chien avec ce sifflet. C'est là où je vais avoir toute la meute et qu'elle va mourir comme un caca. C'est pour ça que je me mets à l'angle. Allez, on va se faire peur. On va appeler le diable. Vous avez soufflé dans le sifflet pour chien. Merde. Ah oui, il a un truc sur lui, je me suis trompé de touche. Ça commence très mal. J'étais impressionné, je me suis trompé de touche. Merde. Oh non, voilà, il y a toute la meute. Merde. Eh ben, ils m'ont eu. Oh putain. Mordu deux fois, t'es mort. Je me demande si le fusil... Rotorota. Je me demande si le fusil serait pas adéquat. Tic et tac sont arrivés. Oui, bien sûr, Nash. Je me demande si le fusil serait pas adéquat par rapport au Cerbère. Mais j'ai pas le droit de me louper, en fait. Je vais essayer la... Alors, putain, faut que je mémorise et il y a un zombie. Alors, attendez. Il me faut le fusil. Il me faut le sifflet. Merde! Le sifflet, faut que j'aille le chercher dans le... Dans le bureau de mes deux, là. Merde, le... Ah, je joue mal! Le tampon encreur, j'en ai plus rien à péter. Je vais d'abord avoir le zombie avant le chien. Donc, il faut que je garde le flingue en main. Tu n'arrives pas à tuer les chiens. Non, mais je suis pas bon. Je suis mauvais, mais bon, ça fait partie du spectacle. Mais petit à petit, je finirai bien par y arriver. Je persévère. Alors, le sifflet de la mort, là. Il faut que j'aille le chercher. Voilà. Ensuite, il faudra que je refasse le chemin inverse. Ouais, feu vert, Torota. J'accepte ton astuce parce qu'en fait, je vais tellement galérer. D'ailleurs, je me trompe de chemin. Je voulais déjà partir là où il y avait les chiens alors que j'ai pas le sifflet. Oh mon dieu, ce portrait de fou. Oh mon dieu, arrêtez là, vous allez me faire hurler, mais. Je deviens tout fou là, j'arrive plus à jouer là. Ce portrait de la madame me perturbe.
Oui, mais les chiens, si, ouais. Voilà. Oui. Oui, alors, du coup, le mémo chiffonné, je vous l'ai lu à l'instant. Là, je vais pas bouder la proupoute de recharge de pistolet. Il y avait quoi que j'avais pas pris ici? Il y avait. Alors, il y avait des documents. Et c'est tout, je crois. Oui, c'est ici que j'avais récupéré le briquet à l'origine. Donc, maintenant, il faut que je refasse le chemin pour rejoindre la terrasse, enfin le balcon où il y a le waf-waf. C'était. Et seulement après, si je réussis le chien waf-waf, je reviens ici pour reprendre les objets et éventuellement sauvegarder. Briquet, sifflet, oui, ouais. Alors, toi, t'as dit, n'attends pas que le chien soit proche de toi. Si le chien est loin de toi, tire dans leur direction, ça les touchera même si le chien est petit en hauteur. Ok. Ok. Non, elle a les balles rechargées. Ok. Ah, j'ai du mal avec la direction, le changement de caméra. Alors attends, j'avais tellement voyagé dans le manoir déjà que je sais plus où j'en étais. C'est horrible. Attends, j'avais fait ça. J'avais fait ça. Là, il n'y avait rien. Merdoum. Et j'étais allé là, je crois, non? C'est ça. Alors lui, il est tellement pas cool, donc je le flambe. Ah, j'ai pas pu? Non, il s'est défendu ou c'est moi? Bah, inutile d'utiliser ça maintenant. T'es sûr? Je suis pas assez proche peut-être. Ah, j'étais pas assez proche. Oh la vache, hey! Oh! Non mais il abuse lui. Va remourir. Oh, il m'a pris 2 balles de plus là, et oh, escroc! Va quever, gros vilain, va cramer. Voilà, il y a intérêt. Bon. Ah oui, c'est pas la porte là, c'est vrai. Ah oui, c'était. Non, je veux pas descendre, ma grande. Il faut que je me barre. Cette porte-là qui fait balcon. C'est là où je vais me faire dessus. Voilà. Alors, je vais recharger. Je vais peut-être utiliser les plantes là, effectivement, parce que comme je suis déjà blessé, au moins ça me fera 2 chances de. Hein? Voilà, j'ai soigné mes blessures. Bon. Concentration. N'en rajoute pas, mon carillon, n'en rajoute pas.
Non, mais... Oh! Oh là 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 là. Merde! Mais c'est lui qui va me tuer! Oh alors là, je suis à la frontière de la mort. Oh, casse-bonbon, oui! Bon, c'est quoi l'objet précieux qui a failli me coûter la vie? Bah oui, je prends le collier, t'es marrant toi. Vous n'aurez plus besoin du sifflet pour chien. Bah oui, jette-le. Message de Fin Fan 1992. Toro t'a dit. Pour des économies de balles, tu peux lever les bras. Pour viser plus haut et tirer dans la tête. Attention, tu dois tirer pendant qu'elle lève les bras, c'est un coup à prendre. C'est technique. Mais merci du conseil. Mais c'est technique. Ça demande de sacrés réflexes. C'est dur. Ouais. Non, mais c'est une narration particulière. Asthmatique, t'es terrible. T'es terrible. Voilà. C'était la cinquième lettre de l'alphabet. Non mais mon E pensif là, c'est... Oh là là, génial. Oh cette image. Oh, avec le jeu d'éclairs, c'est énorme. C'est trop trop bien fait. Message de Torota 77. Bonjour, c'est Colombo. Ma femme me disait que la série était trop longue, car je parlais toujours d'elle. Loupé! C'est des voix au hasard dans la voix de synthèse. C'était pas... Alors, c'est marrant parce que tu me rappelles un sketch de François Pérusse, l'humoriste québécois, dans Les Deux Mythes du Peuple. Et en fait, t'entendais en début d'épisode l'inspecteur Colombo qui s'achetait des magazines cochons chez le buraliste du genre lycéenne accroupie. Enfin, je sais plus, il trouvait des termes coquins. Et puis... au moment de régler ces achats honteux, Colombo qui se justifie avec la fameuse réplique, vous savez, c'est pour ma femme. C'est très con. C'est très con et c'est excellent. C'est du François Pérusse. Ah là là. Ah là 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 là. Ouais, ouais, bah c'est des voix au hasard, les voix de synthèse. Mais ouais, on a eu des détournements rigolos qui ont été clippés. Du coup, j'ose plus toucher à la voix de synthèse parce que c'est tellement drôle d'avoir les voix de synthèse au hasard. Je trouve ça absolument génial. Donc, je veux surtout pas aller dans la coulisse au niveau des voix de synthèse. J'ai peur de dérégler un truc. Du jour au lendemain, c'est devenu comme ça quand l'offre s'est étoffée des voix de synthèse. Et je ne veux en choisir aucune. Je veux du aléatoire. C'est trop drôle. C'est trop rigolo. Oui, c'est ça. C'est Colombo en femme. Attendez, là faut que j'allume mon cerveau parce que je fais pas ce qu'il faut ou si je fais ce qu'il faut. Non. Je crois qu'il y a une série qui s'appelait Madame Colombo. Alors là, je pourrais pas te dire fan, je sais pas. Non, l'acteur qui incarnait Colombo, Peter Falk, j'ai souvenir que c'était un mec bien dans la vie. Mais après... mais attends, j'ai quoi sur moi? Ouais. Alors, collier. Examiner le collier pour chien, d'ailleurs. Ouais, bah, collier pour chien, quoi.
Il y a un bouton, appuyez dessus, oui. Qu'est-ce que c'est que ça? Une sorte de bijou était caché dans le collier. Quoi? Le bijou s'est transformé en clé. Oh la vache! Imitation de clé. On dirait une clé, mais elle n'est pas assez rigide pour être utilisée comme telle. On dirait une clé, mais elle n'est pas assez rigide pour être utilisée comme telle. Oh, ça, il faut le dupliquer. Il faut le dupliquer avec un truc en métal et forger la vraie à partir de ce modèle-là. Il y a un truc comme ça. Il doit y avoir un réplicateur quelque part. Oh, ce jeu est terrible. Ce jeu est terrible. J'ai regardé une série qui s'appelle Madame Colombo qui a duré 2 saisons en 77-80. Ah ouais. Oui, ah oui, il faut rien me dire. Ne me divulgâchez rien, s'il vous plaît. J'aimais des théories comme ça, mais s'il vous plaît, ouais, ouais. Bon, voilà, j'ai compris que c'était pas un réplicateur, mais bon. Parce que je crois que dans un Resident Evil, il y a une histoire de duplicata. À faire un moule et puis à... Je pense que c'est pas dans Code Veronica. Mais... Merde, je suis surchargé. Non. Non, c'est malvenu, je suis surchargé. Je vais reprendre d'ailleurs mon flingue classique, le recharger. Voilà. Il n'y a rien entre là et là? Non, il n'y a rien. Oui, bah tant que j'ai le briquet, je vais allumer la cheminée en attendant. Oh, ça peut attendre le coup du plan imprimé dans la cheminée. Ça peut attendre. Non, là, je vais faire des allers-retours avec la caisse, la malle en bas. Pour, faut bien décharger le coyote. Oh, cochonou. Ça va, ça reste correct, mais bon. 18 plus. Ma chaîne. Ah, il me rend fou, ce... Ah, le Gugus qui tombe sur lui-même me rend fou, là. Oh là là, faut pas que je regarde. Donc, j'en aurais pas besoin maintenant. Enfin, je ne pourrais pas l'utiliser maintenant. Le fusil. J'espère ne pas croiser de Cerbère avant un petit bout de temps. Je n'ai rien allumé du tout. Là, les... Oh, je vais être en phase rangement, truc mûche, alors... Bah tiens, j'ai peut-être ce qu'il faut déjà là sur moi. Au lieu de la voir en train de gémir, la malheureuse. Je vais peut-être me faire un mélange de rouge et de verte. Ah non, j'ai que des vertes. Va mourir. 18 plus, je vois pas de quoi vous parler. Ah. Oui, mais bon, voilà. Et Jess, ça passe. Voilà, tu as suffisamment de recul. Tu es déjà plus mature que la normale pour ton âge. Donc il y a une tolérance qui s'applique. On va dire que tu es le Benjamin averti. Merde, pourquoi je sors par là, moi? Je vous fais la causette à rigoler, là, puis du coup je fais n'importe quoi. Et des vertes et des pommes mûres, oui. C'est ça. Enfin bref. Non, mais c'est vrai que sans déconner, ma chaîne, je la déclare mature 18+, parce que... C'est ça, exactement. T'es l'exception qui confirme la règle. Exactement.
Non, mais c'est terrible, mais se dire que dans un peu moins d'un an, pardon, mais tu seras majeur au 7 octobre prochain. Oui. C'est ça. Mon Dieu, mon Dieu. Alors, combiner. Utiliser. Voilà, là, elle est redevenue en pleine forme. Elle nous est revenue à pleine furmue. La forêt ténébreuse s'étend à perte de vue. Il n'y a apparemment aucune habitation dans les environs. La forêt, Spencer. D'ailleurs, j'ai soif. Je vais boire un coup. Aïe, 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 aïe. Je ne te lirai pas de vive voix. Canaillou. Ah, non, c'est vrai qu'il y a des plans qui sont classe. Pour dire ce qu'il y a, il y a des clans de voilà, des. C'est beau. Alors, réfléchissons. Est-ce que je sauvegarde maintenant? J'aimerais peaufiner, mais. Ah oui, je peux pas passer par en bas, il va me dire que la porte est pétée. Je peux pas passer par en bas, il va me dire que la porte est pétée. Au pire, je peux mettre mes messages vocaux. Non, pas pour ça. Oh. Non, mais doucement aussi avec la voix de synthèse. Hein, voilà. Je vous fais confiance pour en pas abuser et faire usage avec parcimonie, mais. Voilà, puis ne. Voilà. Faut pas casser l'immersion du Resident Evil, qui est un jeu particulier où je peux me liquéfier en direct, on va dire ça comme ça. C'est apprécié, Mickey. Merdoum. Ah, il y a un truc que j'aurais peut-être pu faire. Il y a une porte que j'aimerais vérifier. Il y a une porte que j'aimerais vérifier. Je me souviens plus où ça mène. Donc je fasse gaffe quand je me mets à courir. D'étaler n'est pas une bonne idée dans le manoir. Sauf quand tu es poursuivi par une cochonnerie. Je me retrouve ici. D'accord. En bas, il me restait pas des trucs à ramasser. Il y avait une autre salle avec une malle en bas, non? Je crois. Attention, faut que je fasse gaffe où est-ce que je mets les pieds. Là, il y a un zombie, mais j'espère qu'il va rester mort. C'est pas sûr. C'est une salle de sauvegarde. Normalement, un lit qui a bien servi. Là, il y avait quoi? Ah bah oui, il y a une machine à écrire que je suis bête. Hé, attends, c'est un document au mur. Ça, je peux pas le prendre? Ah non. Je pensais que c'était un truc à récupérer, mais non. Là, il y a rien. Étagère se trouvent des médicaments, des élixirs qui vous sont inconnus. La plupart d'entre eux ont changé de teinte. Ok. Il y a plusieurs types de sérums. La plupart ont une teinte douteuse. Tant que je suis face à la malle de rangement, autant refaire le point. Ouais, je sais pas. Je vais ranger l'herbe verte. Joyau bleu. Je sais pas. Oui, alors la plaque, je sais. Le fusil de briquet, la couronne. Il y a un zombie que j'aurais bien aimé flamber. Je sais plus où il est. Il y a un zombie, je sais que je vais faire plusieurs allers-retours. Vaut mieux qu'il soit flambé et qu'il revienne plus à la vie, enfin, si je puis dire.
Il est où ce zombie? Je sais plus. J'arrive plus à réfléchir. Dans un petit peu moins d'une heure. Minecraft, putain, le jeu le plus vendu au monde. Ça va pas, non. Plus de 200 millions d'exemplaires. Et le jeu favori du sage. Rejoignez-vous aussi le serveur de jeu sur lsdn.craft.vg. Lorsque le jeu est diffusé, n'hésitez pas à vous rendre dans la boutique pour provoquer des événements en direct. Il n'est pas nécessaire que vous possédiez Minecraft afin de pimenter notre aventure. Oui, il faudrait que je change d'ailleurs, puisque le lsdn.craft est plus valable. Il faudrait que je mette un autre intitulé avec une procédure d'inscription, d'ailleurs, ce serait pas mal. Bonsoir, monsieur Rachi, comment que ça va? Merci de passer faire un coucou. Alors que là, je suis en stress. Parce que Resident Evil. Y a rien sur le meuble? Non, y a rien. Sacré débat. Oui, D. Ouais, pour le sourire, il est interprété en D. Bon, bah, c'est pas grave. C'est fermé, là, je crois. Verrouillé, armure. D'accord. En passant par la Lorraine avec mes sabots, en passant par la Lorraine avec mes sabots d'ondaine, en passant par la Lorraine, oh, avec mes sabots. En passant par la Lorraine avec mes sabots, en passant par la Lorraine avec mes sabots, ouais, au bout du... avec mes sabots d'ondaine, en passant par la Lorraine, oh, avec des sabots. Avec mes sabots. Elle est pleine vie, hein, les... ouais. En passant par la Lorraine avec mes sabots, en passant par la Lorraine avec mes sabots, avec mes sabots d'ondaine, en passant par la Lorraine, avec mes sabots. En passant par la Lorraine avec mes sabots, en passant par la Lorraine avec mes sabots, avec mes sabots d'ondaine, en passant par la Lorraine, oh, avec mes sabots. Y a rien. Une sorte de plante à pin que vous n'avez jamais vue auparavant. Là, y a quelque chose? Non, y a rien. C'est le bout du balcon. Hein? Oui, qui est là? Qui l'a attaqué? Tequila. T'es déchaîné, oh Fulfan, t'inquiète. Vous êtes déverrouillé. Oh là là. Oui, bonne qui action. Est là? Ça, c'est une bonne action. Oulala. Oulala, qui est là? C'est pas mal. C'est pas pour me déplaire. Attends, là, j'ai pas la clé, je m'en souviens. La double porte à côté, elle mène à quoi? C'est au-dessus de la salle à manger, du coup, non? Si, c'est au-dessus de la salle à manger, là où j'étais tout à l'heure. C'est ça. Ok, ok. Ça me va. Il se passe pas grand-chose. Oui, mais en attendant, je les ai là. C'est vrai, je t'accorde sur le fait que, oui... justement, j'essaie d'avancer prudemment en récoltant un max d'objets avant de sauvegarder. Parce que depuis le sifflet pour chien, j'ai toujours pas sauvegardé. Faut pas que je fasse le nigo. Faut pas que je fasse le nigo. Je réfléchis, hein. Je réfléchis. Bizarre.
En même temps, je vois pas trop où est-ce que je pourrais. Est-ce que j'avais ramassé le... Non. Si c'est pas le cas, autant que je le ramasse. Ah, j'avais ramassé le flingue. Enfin, le flingue. Le chargeur. Ah oui. Bon, j'avais déjà... Bon. Je sais plus si je l'avais fait, au moins c'est vérifié. Alors attention à la suite, je sais plus ce qu'il y a derrière cette porte, je me souviens plus. Ce plan du stress. Ça, c'est un autre balcon avec des clébards. Il faut pas que je fasse l'idiot. Il y avait la salle avec le fusil, le truc qui s'écroule. Attends, c'était quoi ça? Je peux y aller. Ouais, gentil les toutous. C'est ça. Ah, c'est la scène Gerbotron, ouais. On n'y gagnait rien, il y avait un couteau au fond de la baignoire, mais... Les couteaux, je sais pas m'en servir. Ah, plus tard, Nash. Ouais, bon kick à toi, bon repas. Oui, tu vas prendre ton antenne à 20h sur Kick pour la suite de Zelda, ouais. Bonne soirée, merci d'avoir été là, Nash, à plus, bisous. Y a rien sur ce comptoir? Non, y a rien. C'était là la pièce au fusil. Est-ce que j'avais tout ramassé dans la pièce au fusil? Je crois. Hein. Je crois. Oh, superbe! C'est beau! Graphiquement, c'est magnifique. Remarquable. Quelque chose a brûlé ici. Une odeur d'encre remplie. D'ailleurs, est-ce que je peux pas faire usage du briquet que j'ai rangé? Bien sûr. Merde. Il y avait peut-être intérêt à rallumer, à raviver le feu dans la cheminée. Merde, j'ai rangé le briquet. Oui, chevalet, y a rien d'intéressant. Là, c'était, voilà, le fusil cassé. Une cruche en argent parfaitement polie. Bah là, c'est un couteau, du coup. C'est des couteaux à la noix, là, des poignards. Ouais, écoute, je vais encore prendre celui-là, mais... Comme je sais pas m'en servir, j'ai pas l'air idiot. Non, il y avait rien d'autre. Je m'assure de bien écumer les lieux, et puis je vais sauvegarder, du coup. Je reconnais que j'avance prudemment, presque à reculons, hein. Je ne vous le cache pas. Ouais, non, bah non, oui, non, c'est le bout du couloir, oui, bah voilà. Non, voilà, double porte. Papa, 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 papa. Ah, il y avait un zombar ici. Ah oui, avec le... Oh là là. Ouais, il va se relever, lui. Est-ce que je peux foncer là? Ah merde, l'emblème d'une armure. Merde. Non, bah je vais sauvegarder parce que... Parce qu'après, il me reste quoi à faire? Il y a le coup des chiens à zigouiller. Mais... Mmh.
Je pense que le zombie là qui était dans le couloir, il faut que je le flambe. C'est horrible à dire, hein, mais. Je présume que j'ai. C'est ce que j'ai mieux à faire en fait. Oh, je fais la carte sur la plaque en bois avant de sauvegarder. Au moins ce sera fait. Au moins ce sera fait. Voilà la gourde après. Je ferai le ruban encreur. Je l'aurai déjà dans la main. Donc on est d'accord, j'ai une herbe rouge là, non? 3 vertes, 5 vertes. Ah merde! Ah, j'avais consommé la rouge, nuance. Nuance, puisque j'étais en sale état après la baston contre les cerbères sur le balcon. La cheminée pour avoir le plan et sauvegarde. Là, je. Voilà. J'aurais pas mal avancé. Et je pense que d'avoir fait un petit peu de ménage d'inventaire, là, j'aurais. Ça justifie une sauvegarde. Je. Banque. Banque, banque, banque. Ou je tente. Mon histoire de l'autre cheminée, là où il y avait le truc fusil. Je suis pas sûr qu'il y ait un intérêt à faire usage du briquet là, mais bon, rien ne m'interdit d'y retourner. On va refaire la pièce du fusil et alors je crois comme tout Resident Evil qui se respecte, il y a un chrono à la fin du jeu quand on l'a fini. Moi je pense que je vais battre un record de longueur. Vous avez parcouru le manoir pendant 7 jours durant alors que la moyenne veut qu'on le fasse en 12 heures ou bon, un truc comme ça. Moi j'aurais mis bêtement 7 jours. Une semaine de vacances au manoir Spencer. Alors, j'étais passé par en bas. J'étais passé par là. Pour avoir le coup du fusil. La coude de fagée. La coude de fagée. J'avais pas fait ici. Ah. Oh. Vous êtes terrible avec vos poignards. Enfin, je crois que c'est. Oui, une représentation du bonheur suspendue dans l'obscurité. Oui, les poignards, oui, c'est pas dans l'inventaire. Enfin, c'est un objet spécial. J'ai pas encore compris comment ça marche. Ah oui, c'est ça. C'est arsenal technique. Non, tactique, pardon. Tactique. Trois poignards et impulsion électrique. Je sais pas pourquoi. Il doit avoir un taser à un moment donné. Donc en fait si, je peux bêtement collecter les poignards, mais je sais pas m'en servir, donc pourquoi pas. Non, alors c'était la porte au bout, la porte au bout. Je veux absolument vérifier ma théorie de l'autre cheminée. La théorie de l'autre cheminée. Que je sois sûr. Dis-moi. Et bah c'est dans une demi-heure le tableau mystère. Dans une petite. Ah là, alors, je veux savoir que la vérité éclate. Voilà, mon truc était faux, mais ça avait le mérite d'être essayé. Oui, quelque chose a bolé ici, donc ouais, je fais ça et il me dit bien que ça marche pas, on est d'accord.
Aucun intérêt. Aucun intérêt. Bon, bah, il y a des documents secrets qui ont été flambés là-dedans. Ou autre chose. C'était ouais, direction la sauvegarde. Direction la sauvegarde. Donc une fois que j'ai sauvegardé, il y a ici tout proche, il y a l'autre porte de... Je pourrais m'amuser avec les clébards du jardin là, de la... m'amuser, ouais. Les cerbères redoutables. Oh, qu'est-ce que ça va être quand ça va être la sortie des hommes lézards, les hunters là. Ils vont me décapiter, mais alors en un coup. Ça va être ingérable. Ingérable. Allez, venez Milord. Tac. Oui. 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 Je suis satisfait de ce que j'ai fait. Du matos que j'ai manipulé, rangé. Voilà. Là, je vais lâcher les chevaux. Hein, symboliquement. Je vais m'exposer au danger. Tant qu'elle sauvegarde paisiblement la PS3, je me reçois. Je me reçois différemment. Aïe, 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 aïe. Heureusement, c'est pas la théorie... Oui, la théorie de la relativité, ouais. Ouais, ouais. Ouais. Oh non. La douce musique que Dragon Sky apprécie. Eerie. Wing, wing. Alors je repasse pas là puisque en bas si je ressors dans l'autre sens il va me dire que la clenche va péter et que la porte va être cassée. Alors si je devais me barrer précipitamment à l'avenir, autant prendre le soin de faire le tour. Parce que si je me retrouve un moment acculé avec une porte coincée et que je me fais bouffer, ça va être l'horreur. Pam 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 pam. Merdoum. Bonsoir, Special Kazam. Bonsoir et bienvenue. Oui, j'étais en train de me dire, là, faut que je réfléchisse. Alors là, il y a le truc en haut, mais il faudrait que je cuique le zombie. Ça va être des munitions quand c'est elle. C'est peut-être pas forcément un truc important. Donc pour le moment, je passe à côté sans prendre en considération parce que... Tant que je suis pas bloqué, je vais pas prendre de risque. Non, 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 pas de TV cathodique, Kazama. Alors ma norme de diffusion sur Twitch est le 720p 30 images secondes, mais ma PS3 je l'ai dégradée au format PAL, donc un 576p, et j'ai une captation par cigare USB, les clés d'acquisition, donc il y a une dégradation, mais j'ai fait ce choix. Pourquoi? Parce que j'apprécie le style, ça fait rétro. C'est limite si à un moment je ne vous mettrais pas un effet spécial, vous savez, de neige des vieux téléviseurs. Et j'apprécie d'ailleurs ta remarque de parler de télévision à tube cathodique. Oui. Ah, navré que ce soit désagréable à l'œil. Mais bon, ayant la quarantaine, j'ai la nostalgie de la neige sur les vieux postes de télévision. Donc voilà, moi ça me plaît. Ça me rappelle mon adolescence.
Je crois que celle-là. Oui, utiliser le crochet de serrurier. Je suis pas allé dans celle-là. La suite pour moi est ici. Oui, il me renifle, il s'excite, mais il va pas me sauter dessus. Bonjour Cocosy. J'espère que tu vas bien. C'est quoi ça? Non, pas l'herbe. C'est le bidon qui m'intriguait. Mais oui, je peux la ramasser, on sait jamais. Il reste encore plein de kérosène. D'accord. Non, 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 j'ai pas besoin d'enlever ma gourde. Ouais, donc c'était bien ça. Là, il y a une substance chimique. Donc comme je peux l'embarquer, allons-y. Les chiens sont excités. Voilà, quand je vais être dans la partie extérieure, hors des grilles, ça va être l'horreur. Pas de soucis, c'est juste que je vais avoir du mal à suivre longtemps, car j'ai l'impression que ça me floute l'œil. Ah oui, désolé, ouais. Non, mais je comprends la gêne. Mais c'est un style que j'apprécie pour ma part. Et honnêtement, techniquement, je pourrais pas faire mieux. Je pourrais pas faire mieux. Surtout que je rappelle que la PS3 est une console chiante, dans le sens que la PS3 est protégée. Quand vous essayez de capter son signal numérique HDMI direct, vous l'avez dans le trou nounouf. Il vous dit signal protégé, copie interdite ou captation interdite. Et voilà pourquoi j'ai fait le choix de basculer en analogique. Rien que pour ce fait technique, je crois savoir qu'il n'y a pas beaucoup de monde sur Twitch ou autre, ou équivalent, qui diffuse de la PS3. Il n'y en a pas beaucoup qui peuvent. Ah tiens d'ailleurs, voyez, vous aurez pu me faire la remarque que j'ai commis une erreur. J'ai laissé PC alors que j'aurais dû mettre PS3. Personne ne m'en a fait la remarque visiblement. Vous voyez, tout le monde s'en moque. Alors qu'on pourrait me poser la question. Hop là, voilà, je mets PS3 et ça va bientôt basculer et indiquer PS3. Je me souviens déjà plus. Est-ce que j'ai fait cette porte ou pas? Je me souviens plus. Poilot. Ah oui, c'est la scène du. Bon, allez, on va la revivre et puis je gagne un poignard. Oui, c'est rempli d'eau sale. Vider la baignoire. Et. Ah! Un zombie! C'est ça, zombie qui prend la main, Burke. Non mais on devine. Oui, t'as PS3, tout ça que pour les jeux PS1. On devine le. Enfin, moi, c'est l'imagination, l'interprétation que j'en fais. Oui, les toilettes n'ont pas été entretenues depuis des lustres. Oui, bah oui. Le mec a dû se savoir contaminer et il a voulu choisir une mort par noyade. Sauf que, bah non. Sauf que non. Ou alors on dirait que. Oui, on dirait que l'eau marche encore. Ou alors il a essayé de se nettoyer en disant je prends un bain, je vais être moins infecté et ça va passer. Et il s'est zombifié dans sa baignoire et comme il est devenu débile étant zombifié, il n'a jamais fermé l'eau et ça a débordé pendant moult temps. Ah là 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 là. Bon bah j'ai gagné un poignard tactique là. Dont je sais pas me servir, génial. Euh.
après, qu'est-ce que je peux faire que j'ai pas fait? J'ai pas analysé le paquet chimique que je viens de shipper. Je l'ai pas analysé, attendez. Examiner. Un agent chimique qui détruit les plantes. Ouais, ouais. Désherbant, d'accord. C'est un désherbant. Heart, quoi? The flower wild grace heart basher. Yep, yep, yep. D'accord, d'accord. Il y a le zombie de l'ennui. Cochonnerie. Cochonnerie de saleté. Ah oui, non, il veut que je fasse comme ça. Ah, oh, il se relève déjà. Gros vilain. Lui, il va me faire suer comme je vais faire des allers-retours ici, autant le flamber, lui. Et je crache. Il est tout cuit, le malheureux. Il n'y a rien à récupérer, je présume. Merde, je prends la porte. Je voulais fouiller le cadavre, je me prends la porte. Nul, nul le mec. Il n'y avait rien là. Oh, c'est d'un sombre. Alors là, c'est pour aller dans la partie où il y a les chiens. Et l'autre, je peux pas. Oui, la porte, elle est fermée, il m'avait dit. Je réfléchis, recharger. Je vais essayer de bien gérer avec le flingue. Et le... Il y a un ou deux cerbères. Bon, un pour moi, déjà, c'est trop. Ah, c'est quand t'avances qui saute. Non? C'est beau. Oula, salopard. Oh bah. Il va me mordre au cou, je suis mort. Ah, elle l'aurait planté au couteau d'elle-même? J'ai l'impression qu'elle a fait ça. D'accord. Alors, il y a quelque chose écrit dans la pierre. Le profanateur du cercueil maudit. Non, on voit rien d'autre. Ouais, les inscriptions sont sur le côté à droite. D'accord. Médaillon. C'est verrouillé, ouais. Mmh. Il n'y a rien d'autre. Si je regarde par là, elle me dit quoi? Il n'y a rien, il n'y a pas d'objet planqué, il n'y a rien. Non, c'est pas pour maintenant. Là, je commence à douter. Je commence à douter. Ouais, normal au niveau de la santé. Verrouiller l'emblème d'une armure. Il n'y a rien sur l'étagère. Je peux rien en faire. Ouais, non, je peux rien en faire. Là, il y a le blason. Ouais, verrouiller l'emblème de la famille Spencer. Il y a un beau chapeau là qui est. Là, je gamberge parce que.
Est-ce que sur carte, sur plan, il y a un endroit que j'ai pas fait? Ouais. J'aime bien les annotations. Attendez. Oui, il pourrait presque faire croire qu'il y a une porte, mais non. Ouais, ça correspond au... Ça, c'est le cimetière. Réfléchissons. Et c'est dingue, le balcon où je suis allé avec les chiens, là, l'angle, le L retourné, là, à droite, ils considèrent que j'ai inexploré, hein. Parce que j'ai pas fini de ramasser les objets, j'ai pas tué tout le monde. Il dit que c'est inexploré alors que j'en viens. C'est fou, c'est fou. Ça, c'est la pièce du fusil, le long couloir. Il y a le truc. Ouais, zombie, ça va être une munition. Machine à écrire, là. Ouais, dans la salle de dîner. Je suis allé partout. Non, 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 non. Non, non, non. Il y a le coup de monter à l'étage. Alors, à l'étage. Je monte là. Ouais, il y a ce balcon, on a fait l'appel du chien là. Tac. Ça, c'est le hall d'entrée. Ouais, c'est le coup de la cheminée avec le plan. Merde, je vois pas. Qu'est-ce que j'ai pas fait? Ça, c'est le sous-sol avec les quatre cadavres. Je suis obligé de faire le... Sérieux? La suite, ce serait là où il y a les quatre masques. Le mâle avec le cimetière, là. Et le cercueil suspendu, enchaîné au plafond. Oui, non, je vais passer par là, pardon. Ou alors, c'est l'énigme du moule de la clé. Il va falloir que je cogite pour trouver la soluce. J'aime bien quand il y a un savant mélange action-réflexion. Avec des énigmes. J'aime bien. C'est des bons jeux pour moi, ça. Je rappelle, hein, qui se souvient du Silent Hill qui proposait deux jauges de difficulté. Une pour l'action... Merci. Je suis dans la merde. Oh, on aurait dit le cri du singe. Je suis mauvais, c'est horrible. Oui, bon, les chiens n'ont rien sur eux. C'est pour ça qu'il y a eu l'exception du collier. Yeah! Putain, mais c'est abusé. Ah, c'est le même son que les singes. C'est fou, ça. Oh là 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 là. J'aurais pas pris le soin, j'étais mort. J'avais pas pris le soin, j'étais mort.
Oui, femme puisant de l'eau. Ouais. Du coup, je sais plus ce que je voulais faire. Ça m'a neutralisé le cerveau. Oui, le. Oui, ça y est, je sais, le cimetière. Barry. Oh, Jill. Any good news? Other than I'm still alive in this madhouse? No. Can't say it's much safer here either. We'd better secure our escape route first. There's gotta be a back door somewhere. All right then, let's split up again. Hey, hold on a sec. Look what I've found. What? A can of fizz. It's sure to yellow and mellow those things. It's yours. Hopefully you won't have to use it. Ah, grenade acide. What about you? Oh, don't worry. I like the buddy system we have here. I see. Thanks. I'll take it. See you later. Ciao. Ah, ce trompe-l'œil. La mort vous attend en bas de ces escaliers. Bah. Alors, c'était déplacer les trucs, c'est ça? Statue de pierre avec un trou à la place de la bouche. Mais comment je les déplace en fait? C'est ça que je comprends pas. Statue de pierre avec des trous à la place des yeux. Je peux pas les déplacer, là j'ai pas ce qu'il faut. J'ai pas ce qu'il faut. Il y a le mal au-dessus de moi, là, le cercueil d'enfer. L'inscription suivante est gravée. Œil pour œil, dent pour dent, oui. Ouais. Non, c'est pour plus tard, ça. C'est pour plus tard. Donc ma déduction est pas la bonne. Ma déduction n'est pas la bonne. Il n'y avait pas un truc qui brillait là. Pierre d'ombale, décrépite, ni nom ni inscription. Ouais, il y a un truc là. La porte est verrouillée depuis l'autre côté. Sur le plan, ça correspond à quoi? Ah ouais, non, bah, je suis pas prêt de... Mystère et boule de gomme. Non, non, ma soluce n'est pas là. Dur, dur. Dur, dur, ce Resident Evil. Je réfléchis. Qu'est-ce que j'ai pu louper? Attendez, que je repasse en vue rapidement la carte. Oui, il y a un truc qui va vers le bas. C'est quoi? Ce serait verrouillé? Attendez, il y a un truc qui m'intrigue dans la carte. Vous voyez l'escalier isolé, là? Le petit escalier isolé? Ça correspondrait à ça? Non. Ah, je sais à quoi ça correspond. Oui.
c'est dans le couloir. Oui, oui, ça correspond à... Oui, non, je sais. Non, je peux pas y aller. Je peux pas y aller. Il y a quelque chose qui me dérange. Qui me dérange, qui me dérange, qui me dérange, je réfléchis. Attendez, il y a un truc que j'ai mal fait. Il y a un truc que j'ai mal fait. Donc attendez, il faudrait que je passe par là. J'aimerais vérifier quelque chose au niveau d'exploration du manoir. Il y a quelque chose, en analysant la carte, il y a quelque chose qui me titille. Bon, bah, comme c'est offert par ma maison, hein, je les collectionne maintenant. J'ai compris que c'était limité, donc à les cumuler. Je vais pas m'en priver. Mais je pense que je sauvegarderai pas parce que j'ai très mal géré les cerbères. Je me suis laissé avoir comme un bleu. Mais ça va être comme ça tout le long. Non, c'était pas là, c'était pas là, pas là. Je continue. C'était pas là que ça me troublait, le plan du manoir. Je crois que c'est près de cette porte, il y a un truc que j'ai pas capté. J'ai l'impression que j'ai oublié d'explorer un truc. Là. Oh non! Depuis quand il court? Merde, j'ai plus rien dans le... Con, j'aurais dû le remplir. Depuis quand il court, lui? Je sais plus, je suis allé là, j'ai pas l'impression. Je crois que c'est là que j'ai oublié d'aller. Ah, j'avais oublié cette salle! Le coup des armures avec l'énigme de Shrouniouf. Oh là là. Quand tu prends la clé, le machin il te prend en sandwich. Ah! Le moule de la clé! Voilà à quoi il sert. Il faut utiliser le faux pour avoir la vraie. Ah, j'avais complètement oublié cette salle. Tout s'explique. Alors c'est dommage que j'ai pigé, sachant que je suis pas satisfait. Alors à moins que, à partir de maintenant, j'arrive à bien gérer et que je me fasse pas croquer, ça rentabilisera un peu les soins que j'ai bouffés de manière abusée. Le zombie est plus là. Il était bien plus vif que mort. Hein. Oh, il y a les corbeaux de mes deux. Pas de geste brusque. On ne crie pas. On ne court pas. Vilain. Une grande cage à oiseaux. Il y a un corbeau mort à l'intérieur. C'est un hommage à... Oh! J'avais pas vu que c'était des munitions. C'est un hommage à Alfred Hitchcock, vous l'aurez deviné. Ma propre animation de chaîne me fait peur. Ne pas courir, ne pas courir, allez. C'est bien, je vais pouvoir me relaxer le temps du tableau mystère. Voilà, c'est plan de caméra. Je l'avais fouillé, hein, le malheureux Kenneth. Hein.
Ouais. Il n'y a plus rien, ouais. Vilain, vilain, bien joué, bien joué. Je n'aurais pas mieux fait. Je crois qu'il y a un zombie au bout là, non? Oui, oui, au revoir monsieur. Il y avait un monsieur. Je veux pas lui dire bonjour et encore moins lui claquer la bise. Bizarre ce meuble. Ouais. Oui, la fausse clé, la fausse clé, la fausse clé. On fait le process de la fausse clé et tableau mystère. Bon, il faut que je joigne une salle avec une malle. Putain, je sais plus où c'est. Je sais plus où c'est. Mais je vais la lire ta blague. Attends, je vais la lire. Excuse-moi, je suis concentré dans le jeu. T'inquiète pas, tu penses bien que le temps du tableau mystère, je vais me faire une joie de relire le chat. Pourquoi les manoirs sont toujours les premiers inondés? Ah là 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 là. Pourquoi les manoirs sont toujours les premiers inondés? C'est bizarre ta vanne. Pourquoi les manoirs sont les premiers inondés? Alors là, je vois pas ta vanne. Enfin, ta devinette. Ta devinette vanne. Les manoirs, les premiers inondés. J'essaie de piger ta vanne, mais ta vanne devinette, car ils sont les premiers à subir les marées noires. Mon cerveau n'est plus en capacité de... Je suis désolé. Je comprends plus. Oui, non, mais même avec ça, je... Parce qu'une marée noire, c'est du pétrole. Alors, l'idée de parler d'une inondation au pétrole, ça va chercher loin, quoi. C'est... On va dire comme un accord... Désolé, mais elle est nulle. Elle est invalidée. Imitation de clé. Tiens, d'ailleurs, j'ai déposé l'engrais à la noix, là. Je réfléchis à comment retourner le plus rapidement possible à l'endroit que je souhaite atteindre. Hop, 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 mais ils sont super vifs, ils se mettent à sprinter comme Usain Bolt. Là, c'est parce que j'ai couru, donc j'ai excité l'autre. Merdoum. Ah! Vu que maintenant tu reconnaissais physiquement, je suis obligé de complexifier. Oula, on va partir dans un délire. Ouais. Ouais, ouais, la précédente était trop simple. Les Otari et Atari. Excuse-moi, mais c'était trop simple. Mmh.
Allez, on fait le coup du... Mais il lui a mis une droite! Il lui a mis une patate de forain! Et c'est quoi ces zombies? J'ai halluciné! Je m'attendais pas à une patate de forain! Oh, lui aussi il va se réveiller! Ah, il a la qualité de rester mort! Bon, bah ça me plaît. Non, mais le zombie, arrête. Il y a zombies et zombies. Ceux-là, ils sont très spéciaux. Hein. Mais, hé! Mais c'est des zombies garous, c'est pas possible. C'est des zombies loups-garous, là. Oh la vache! Je suis choqué. J'ai fait un tour connement du... un tour gratuit dans les couloirs. Bon, tableau mystère. Je crois que je vais m'arrêter après le tableau mystère parce que je me vois pas gérer ça. Je suis pas prêt. Je sais ce qui m'attend pour dans 3 semaines. Je suis lâche. Je crois que je vais vous laisser après le tableau mystère. Je me détends moi à faire mon solo sur Raft. Ça m'ira mieux, vraiment. Allez, tableau mystère. Ouais, je vais éteindre la PlayStation d'ailleurs. Allez, hop. Mais c'est incroyable. Il va m'empapaouter ce Resident Evil. Il est hors norme. Il est hors norme. Oui, tableau mystère. Attends, ça arrive, pardon. Là, je peux dire que je reviens sur PC. Je vais vous mettre de la musique de fond pour la détente.